I believe I can fly. Coucou. On est mercredi 6 mars. Il est... Oh, il va être midi déjà. Midi moins 5. Ben, le temps est correct. Ça vaut. On est bien. Bon, tout reste humide. Hein. Ça ne veut pas sécher. Hein. Mais ça vaut. Pourvu que ça dure. Que dire? Nouveau vlog. Hier, bon, bah, je vous avais dit, j'ai encore rattrapé une migraine. Trois de suite, ça commence à bien faire. Avant, c'était encore moins pire, c'était tous les deux jours. Maintenant, c'est tous les jours. Je sais pas encore pour aujourd'hui. On verra. Mais après, j'en peux plus, quoi. La migraine, donc après, je prends mon Relpax. Le Relpax, comme vous savez, il est très fort. Donc, je suis pas bien, je suis très fatiguée. J'ai énormément de nausées aussi avec ce médicament. Bah pour vous dire, ouais, quasiment tous les matins depuis que je le reprends, je vomis. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est par période, ça passera. On verra. Sinon, bah écoutez, ce matin, j'avais projet de faire mes grosses courses. Enfin, une partie à Leclerc. Mais j'ai pas pu. Donc déjà j'étais pas très en forme, j'avais pas vraiment envie, mais je me suis dit je vais les faire quoi, j'ai que ça à faire. Donc je fais la moitié de la route et j'arrive à un passage, une route que je prends toujours pour aller à Leclerc. La route a été fermée, il y avait plein de travaux. J'étais perdue, je ne savais plus, je savais pas par où d'autre je pouvais passer, donc bah, j'y suis pas allée. Et là tout à l'heure, vers 11h, j'ai appelé mon père. Il m'a dit, bah non, moi je passe jamais par là, de toute façon, moi je passe toujours par là. Il passe par l'autre côté, lui. Bon, bah j'y retournerai demain en passant par l'autre côté. Mais sur le coup, je savais vraiment pas quelle autre route prendre. Bon, écoutez, quand on a les petites habitudes, voilà, surtout moi. Hein. Donc du coup, je suis juste repassée à Aldi et Carrefour. Je viens de vous faire le retour. Mais il y aura la suite, donc c'est une vidéo à part. Et après, je suis repassée à Action. Vu que hier, pour finir, j'y suis pas allée, j'étais trop mal. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'irais peut-être, mais je me sentais trop mal. Alors, j'ai fait ce qu'il me fallait, en fait, hein, juste ce qu'il me fallait. Alors, j'ai racheté des éponges. Voilà, trois éponges Spargo. Ah. €0,89. J'ai racheté un gant de toilette. Moi ici c'est au compte-goutte. Hein. Donc il m'en refallait un. Un gris, j'ai pris. Gris clair. À €0,45. Je me suis racheté des briquets. Parce que j'en ai plus d'avance. Écoutez, tout simplement. Les trois sont à €0,99. Ensuite, j'ai racheté de l'aluminium, toujours utile. Il est nickel celui-là, il est solide et tout. 18 mètres, je prends toujours celui-là. Oui, vous le verrez à l'envers. Alors, l'aluminium, 1,54€. Ensuite, il n'y a pas grand-chose, hein, ce qu'il me fallait. J'ai repris de l'Ajax. Alors celui-là, c'est la première fois que je le prends. Là, j'avais le rouge. J'avais déjà essayé le jaune. Et là, j'ai pris le violet. Déjà, j'adore cette couleur. Et il sent bon, je l'ai senti. Hein. Méditerranéenne, c'est à la lavande. Ouais, ça sent très bon. Voilà. Donc pour laver le sol, l'Ajax, 1,78€. Ensuite, j'ai acheté une peluche. Bon, il y a mes petites boissons, mais ça, hein, hein, on passe. Elles sont à 48 centimes. Regardez. Elle est trop mignonne. C'est un petit chat. Noir et blanc, bleu et rose. Elle est petite, hein? Taille de maman.
Alors, elle était. Il n'y avait pas de popo, non. S'il y avait un popo, j'aurais pris un. Hein. Mais bon, trouver des popos, c'est pas facile. On en a déjà parlé. Donc, le petit chat. 3,99. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre fois, ma mère, elle me disait. Vu que je peux pas prendre d'animaux, pour des raisons personnelles, hein, ça. J'aimerais bien avoir un petit chat en peluche avec des yeux qui brillent. Alors je lui ai dit, je vais essayer de t'en trouver un pour ton anniversaire. Bah, écoutez, il a les yeux qui brillent. C'est un petit chat. Bon, j'aurais aimé plus grand, mais bon, on prend ce qu'on peut, hein. Donc je vais lui offrir pour son anniversaire. Eh oui. Et pour terminer, donc j'y suis allée aussi et surtout pour cette nouvelle tablette. Je voulais trouver le fameux câble dont je vous ai parlé, pour relier, pour pouvoir mettre mes photos, mes vidéos de là. Mais non, il n'y a pas du tout. J'ai demandé à un vendeur. J'ai demandé à un vendeur qui s'y connaît. Il est venu. Il m'a dit non, on n'a pas du tout. Eux, ils ont que, vous voyez, le. Allez, pour charger, quoi. Donc je crois que je vais bien galérer à trouver ça. Mais vu comment le Bluetooth. C'est une galère pas possible. Ah oui, il faudrait que j'appelle Free aussi. J'avais dit que j'appellerais Free. Voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. S'ils peuvent pas m'augmenter un peu la puissance ou je ne sais pas. Bon, je vous dirai, hein. Parce que là, c'est une galère, hein. Le vlog journée, là, d'hier, j'ai dû aller au coin de ma rue. Ce que je ne faisais plus depuis longtemps. Et j'aime plus, du coup. Parce que bon, là, ça allait, le temps. Mais bon, s'il pleut ou il fait froid ou il fait même trop chaud, c'est une galère, quoi. Donc, je vais voir avec Free. Quand je serai en forme. Mais j'ai trouvé, je peux pas vous le montrer directement, parce que je l'utilise, une pochette pour la tablette. Et c'est bien pratique. Voilà. C'est ça, c'est une pochette, hein. Et vous pouvez, là, je l'ai posée comme là, pour pouvoir vous parler. C'est nickel. Et c'est pas bien cher. Ils disent 10-11 pouces. Ma tablette fait 11 pouces et ça passe. C'est bon. Voilà. Important, hein, j'ai pas envie de la casser. Et c'est pas cher, hein. 4,99 €. Hein. Mon père, quand il a acheté cette tablette, il a demandé s'ils avaient des pochettes. Ils lui ont dit 20 €. Donc mon père, il a dit non. Voilà. Donc j'espère que ça sera solide. Parce que derrière, ils écrivent. Housse pour tablette universelle, utilisée à vos propres risques. Ça veut tout dire. Voilà, 4,99 €. Et c'est tout pour Action. Voilà. Quand je suis rentrée, j'ai appelé mon père, j'ai fait manger Julie et Luigi. Et après, je suis repartie vite fait à pied, hein, c'est à 2 minutes, à la poste, pour peser, parce que moi, j'ai pas de balance. Ah si, j'ai une balance pour humain, mais j'ai pas de petite balance. Pour peser mon colis qui est prêt. Voilà. Donc juste après, je vais faire mon paiement sur Mondial Relais. Et demain, il partira chez Nature. Donc Nature, la gagnante du concours des 1000 abonnés. Voilà. Bah là, écoutez, c'est tout. Encore un blabla de 9 minutes. Mais bon, je vous ai présenté mes produits d'Action. J'aime bien être avec vous. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. J'ai des choses à faire ici, mais ne serait-ce que manger, mais ça, c'est toujours toute une épreuve. Voilà. Hier, je me suis fait. J'avais une grosse boîte. Ça faisait un moment que je l'avais de gratin dauphinois. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé. Donc, je me la suis fait. Bon, il y en a au moins pour 3 repas. Hein. C'est les grosses boîtes. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail en poudre. D'ailleurs, il faut que j'en rachète de l'ail en poudre. J'en ai plus beaucoup. Avec du gruyère. J'ai fait réchauffer et c'était bien bon. J'ai mangé avec le croque kebab qui me restait. Et ce soir, bah, ça sera le même, mais avec un. Ouais, mais ça, c'est dans mon retour de course. Avec un panais de poulet. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse. Hein. Bla 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 bla. Et à demain. Gros bisous. On est toujours mardi, il est 13h10. Donc ce midi, c'est un petit hamburger au poisson pané et au fromage.
Comme ça. Voilà. Ça fait beaucoup, mais bon. Je vais vous montrer quand même les petites bébêtes qui dorment. Attendez. Ça va, ma poupée? Ça va, ma poupée? Oui. Tu devrais aller dehors, il fait bon, ma chérie. Ou c'est flou? Oula, c'est tout flou. Eh bé, t'es fatigué? Quoi? Ils veulent pas aller dehors en fait, je vous montre. Il fait bon, hein? Regardez. Franchement, il fait bon. Il y a même un rayon de soleil. Mais ça reste fort humide. J'ai l'impression que ça fait flou. Donc vu que c'est mouillé, bah ils veulent pas y aller. Allez, bonne app. À toutes. Enfin, à demain. Doucement, tous les deux. Doucement. Oui. On est Julie. Enfin. Il est gentil. Il veut jouer, Julie, il veut jouer, c'est tout. Ta bébé. Julie, pourquoi tu fais ta mauvaise? Ta bébé, regarde, il est tout gentil. Tous les deux. Julie. Bah, hé. Julie, enfin. Allez, arrête, mademoiselle. Il fait bon. On va profiter. Profiter du soleil. Elle est mauvaise, hein, Julie. Oh. T'es mauvaise. Allez, tu bouges ta queue. Allez, je vais les laisser. La vieille, elle fait ça mauvaise. Jeudi 7 mars, il va être 13h déjà. J'ai pas mis ma lumière parce que la tablette elle est tellement lumineuse que je pense qu'on n'a pas forcément besoin de la lumière. Voilà, l'image est beaucoup plus claire. Bon, moi je baisse hein, la luminosité quand je regarde, sinon avec mes yeux c'est pas possible. Et en plus, il fait bon encore, figurez-vous. Il fait frais, hein, mais puis ça reste humide. Il fait du soleil. Julie est même partie traîner un petit peu dans le jardin. D'ailleurs, faut que je vous insère juste avant. Mais c'est une galère. Elle a encore fait la deuxième rencontre de son petit voisin. Elle a fait... dans la vidéo, je vous dis, parce que c'est sur mon portable, elle fait la mauvaise. Ouais, elle fait la mauvaise, vous entendrez. Mais après, c'est pas méchant. Voilà, elle fait comprendre que c'est elle la chef. C'est tout. Parce que sinon, elle aurait mis son museau à travers le machin, elle aurait pu le mordre. Et ils ne l'ont pas fait ni l'un ni l'autre. Elle montre simplement que, voilà, faut pas l'embêter, c'est elle la chef. Que voulez-vous, hein? Ma Juju. C'est quand même une chienne qui a passé ses deux premières années de sa vie dans la rue. Hein. Donc, il fallait bien... vous voyez? Mon long. Mais c'est une galère pas possible à mettre les vidéos du téléphone sur la tablette. La tablette va très bien, j'en suis très contente, il n'y a pas de souci, mais c'est la connexion entre les deux. Comme je vous disais hier, bon, je me souviens plus exactement, peut-être je vais me répéter, mais j'ai pas beaucoup de réseau moi ici. Et pour
Voilà, c'est une galère pas possible. Que ça soit pour insérer les vidéos ou faire des téléchargements, c'est juste pas possible. Il va falloir que je trouve absolument une solution. Pour vous dire, hier, je vous ai mis un petit bout de vidéo là, de mon petit hamburger Julie Luigi. 1 minute 25 hein, en Bluetooth de mon téléphone à la tablette. Je regarde ce qu'elle fait, Julie. Ça a mis quasiment 2 heures. C'est pas possible. Voilà. Hier, j'ai essayé d'appeler Free. Avant, voilà, vous appeliez, ils vous répondaient, point, voilà. Et j'ai rien compris. C'était un répondeur. En plus, il paraît que maintenant, à ce que j'ai compris, pour appeler Free, c'est payant. Mais c'est genre du 30-40 centimes la minute, quoi. Moi, je ne peux pas. Et après, même le répondeur y a raccroché. Donc, pourtant, j'attendais un conseiller. J'ai pas tout compris. Mais il faudrait vraiment que je voie avec Free ou que je trouve ce fameux câble, si ça fonctionne, qui puisse relier les deux. Parce que là, c'est Julien en train de faire coco, si ça vous intéresse. Moi, je l'avoue. C'est les émotions avec son voisin. Faut que j'arrive à régler ça. Parce que c'est juste pas possible. Malheureusement. Et moi, j'ai bien l'intention de l'utiliser, cette tablette. Bah, je vais trouver une solution, hein, mais peut-être pas tout de suite, là. De toute façon, moi, je bouge plus. Donc, pour vous dire, elle surveille s'il revient à port. Pour vous dire, bon, cette nuit, remigraine, c'est insupportable, je n'en peux plus. Voilà. Mais pourtant, vous savez, ça va, hein, au niveau du. J'ai pas trop d'angoisse, pourtant, je suis toute seule. J'ai pas les enfants. Au niveau des angoisses, pour le moment, hein, ça va. Mais les migraines, ça n'arrête pas. Je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'elle fait. Luigi, non, il est là. Il est dehors. J'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus de ça. Bon, soit. Attendez, Julie, elle veut rentrer. Je vais la faire rentrer. Je vais pas la laisser attendre. J'arrive tout de suite. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Bon, soit ce matin, je suis allée mettre un peu d'essence. Ça y est, à tout réaugmente. Hein. Moi, je m'en rends compte parce que vu que je vous fais mes retours de course avec les prix, je me rends compte que là, je ne sais pas, ce mois-ci, tout réaugmente, dont l'essence. 1,80 le litre. 20 euros 11 litres. Voilà. Et les courses à Leclerc, bon, ça, c'est une vidéo à part, mais. Voilà. Et en plus, il manquait plein de choses dans le magasin. Et demain, je vais au Champ, au Grand Auchan. Voilà, donc j'ai fait ça. Quand je suis rentrée, je ne sais plus. Bah, j'ai pas arrêté en fait. Il est 13 h, j'ai pas arrêté depuis ce matin. Je m'occupe au moins. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait entre autres? J'ai changé la litière de Luigi. J'ai été ramasser toutes les crottes dans le jardin. Parce que vu qu'il n'y a pas fait beau, il y avait plein de crottes, hein, entre autres. Et ma nappe, elle est griffée. Et en revenant de Leclerc, avant de rentrer, je suis passée à. Hier, j'avais eu les prospectus. J'y vais jamais. Attendez. Picard. Ah, Picard. J'y vais jamais parce que moi, je trouve que c'est extrêmement cher. Je vais vous montrer juste après. Hein. Et. USO, j'aime bien moi les trucs comme ça. Donc le produit, je vais vous le présenter après. Mais je voulais, du coup, je pensais à ma bouche, hein, bien évidemment. Ça va, en ce moment, ça va. Bon alors, bientôt, enfin début avril, le prochain rendez-vous. Par exemple, j'ai beaucoup de temps de penser toute seule. Hein. Ils font, c'est la mode en ce moment, effiloché de porc. Vous voyez? Attendez. Poule porc, par exemple, hein, je vous donne un exemple comme ça, des trucs avec du poule porc dedans. Mais moi, je peux pas, c'est râpé. Et avec mes problèmes de gencives, vu qu'elles sont affaissées et tout, il y a plein de choses que je peux plus manger en fin de compte. Tout ce qui est effiloché. Par exemple, avant, j'aimais bien de temps en temps manger des carottes râpées mélangées avec du céleri. Je peux plus, si ça se coince. J'aimais manger, je vous ai gardé juste pour la photo, il y avait aussi le prospectus de Lidl, des framboises, c'est super bon, en plus elle donne trop envie sur le prospectus. Il y a des grains, je peux plus. Les cacahuètes, je peux plus. Bon,
Il y a plein de choses que je peux plus manger à cause de ces fichues gencives. Et je pourrais aller au dentiste autant de fois que je veux, je pourrais plus parce qu'elles sont trop abîmées. Voilà. Donc pourquoi je suis allée là-bas alors que j'y vais jamais? Vous savez, souvent, vous aussi dans vos vidéos, des fois vous allez à grands frais. J'en ai un ici, hein, pas loin. Un petit peu après Carrefour. Je vous dis, ici j'ai tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en magasin. Mais non, j'y vais pas parce que c'est cher, parce que ça me tente pas. J'y suis jamais allée, j'ai même pas été déjà faire un tour. Enfin bref, je vais vous chercher parce que c'est dans le congélateur. J'arrive. Voilà. Donc j'ai vu sur le prospectus de Picard ça que je vais vous montrer. Et là, je me suis dit, l'image est bien claire. Elle était moins claire là juste avant. Pourtant, j'ai même pas allumé. Bon, bah écoutez, on verra bien. Je me suis dit, il faut absolument que je le prenne pour Kenzo. Bah oui. Boucher façon mac and cheese. Si vous me suivez, ah, c'était moins clair. Il y a du réglage à faire, ah, vous m'excuserez. C'est encore le début. Je me suis dit, il faut. Si vous me suivez, on va y arriver. C'est trop clair. Attendez. Je comprends pas. Je sais pas. On va y arriver. Si vous me suivez, vous avez suivi ce que Kenzo voulait et que j'ai pas compris dans les vlogs et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il va goûter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Boucher, en fait, c'est du mac and cheese pané. Bon, enrobé. Donc, ça fera pas repas, bien évidemment. Hein, c'est trop clair. Est-ce que je peux régler ça, là, ici, avec vous? Oula, mais c'est tout noir, maintenant. Et oui, mais mode soleil. Bon. J'ai pas compris. Je fais avec vous, hein. C'est compliqué, hein, quand on n'a pas l'habitude. Mais non, maintenant, ça fait tout noir. Ah, d'accord. Ah, ben j'ai compris. Il y a un petit soleil, il faut le baisser. Ah, ben on est mieux là. J'apprends en même temps que vous. On est un peu sombre, mais pour moi, c'est mieux. Voilà. Donc, soit en apéritif, soit dans un repas apéritif. Et j'espère que ça va lui plaire. Il n'y a pas beaucoup, hein. 250 grammes. Et j'ai payé. C'est où? Compliqué, compliqué aujourd'hui. 2,99, c'est végétarien pour ceux que ça intéresse, écrit dessus. Toujours faire plaisir à mes enfants. Et c'est tout. Bah, j'ai dépensé bien assez à Leclerc, demain au champ. Là, bon, j'ai pris ça pour faire plaisir à Kenzo. Et puis voilà, donc j'ai fait tout ça. J'ai pas mangé encore, va falloir que je mange un bout, bien évidemment. Alors, c'est un peu sombre. Ah oui, mais dès que je remonte un peu, c'est trop clair. Bon, ça devrait aller. Là, on est à peu près correct. Désolée, hein, mais bon. Donc là, je pense que je vais vous laisser pour le moment. Je vais manger un bout. Je vais essayer de trouver une solution là dans les jours à venir pour cette fameuse connexion parce que c'est juste pas possible. Et bah chaque jour à la fois. Donc dans ces cas-là, je vous fais un gros bisou. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Et à demain.